Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un photographe qui est d'origine autrichienne et qui s'appelle Ben Winkler. Alors si vous me suivez sur mes réseaux, si vous êtes allé sur mon blog, vous avez pu voir que j'ai fait un petit article que vous pouvez aller lire. C'est un homme en fait, et comme vous savez que je suis à l'origine du Silver Power, voilà, c'est un homme qui est amoureux des femmes silver, enfin amoureux. Il aime photographier les femmes silver, c'est-à-dire les femmes quinca et plus, et il voyage à travers le monde entier pour prendre des clichés de nous, silver, de toutes ces femmes du monde entier qui ont envie d'être sublimées par l'œil d'un photographe qui n'est pas obsédé par le jeunisme. Alors, ça doit faire 2 ou 3 ans, c'est un architecte, hein, il est architecte, et ça doit faire 2 ou 3 ans maintenant qu'il parcourt le monde pour pouvoir photographier, faire des clichés de femmes comme vous et moi. Hein. Ce ne sont pas des mannequins, hein, ce sont des femmes comme vous et moi qui ont envie de... Pardon, qui ont envie d'être sublimées pendant quelques minutes et de se retrouver belle face à la caméra. Et moi, je trouve ça super parce que enfin, un homme de notre âge à peu près a envie de mettre en avant des femmes silver. Et je trouve ça absolument génial. Donc, vous pouvez aller lire sur mon blog un petit peu sa story, son histoire. Vous pouvez aller voir Face of Silver sur YouTube. Je vous mettrai tous les liens à la fin de ma vidéo, mais ça vaut vraiment le coup. Alors, ce dont j'ai très envie, c'est qu'il vienne en France. Là, il est en Europe, il fait un tour en Europe et donc il a des points de chute où il a des femmes qui ont envie d'être photographiées. Alors, bien sûr, hein, c'est pas gratuit. Hein. À chaque séance, ben, c'est un petit peu d'argent, mais je trouve que ça fait du bien. Et je connais pas les tarifs, hein, mais vous pourrez demander. Et je pense que parfois, ça fait du bien de s'octroyer un petit moment à soi, même s'il faut. Il faut en payer. De toute façon, aujourd'hui, rien n'est gratuit dans la vie. Ce monsieur Ben, il a besoin de vivre aussi. Donc voilà, et j'aimerais bien essayer de le faire venir en France et d'organiser un shooting. Alors, je ne sais pas si ça... Pour l'année prochaine, peut-être. Donc, je ne sais pas si ça pourrait intéresser certaines d'entre vous. Parce qu'on fait toujours nos selfies. Alors moi, je suis devenue la pro des selfies. Mais on n'est jamais plus belle que par un homme qui a l'œil et qui n'a pas envie de cacher nos défauts. Parce que ces photos, après, ne sont pas photoshopées. On ne ressent pas à une poupée. C'est nous, vraiment, avec nos rides, nos défauts de peau. Ben, c'est les marques de la vie. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est ça. Ce que j'aime dans les rides aussi, c'est ça. C'est qu'on... Certes, on est marqué, certes, on n'a plus la fraîcheur de nos 20 ans, de nos 30 ans ou de nos 40 ans où on était au top, je dirais, une femme de 40 ans, elle est au top de sa beauté, elle est achevée presque. Après, ça continue, mais elle devient un petit peu plus marquée. Moi, je trouve que ces marques du temps sont belles sur les femmes. Je ne parle pas des hommes aujourd'hui, je parle qu'aux femmes. Donc, je trouve que les marques du temps sont belles, de voir des rides, les rides de sourire. Bon, ben oui, ça veut dire que vous avez aimé la vie, que vous avez profité. Il y a aussi des rides de tristesse. Ça, c'est la vie. La vie n'épargne personne. La vie n'est pas toujours facile, mais il faut continuer à se battre parce que la vie est belle. Ça, c'est mon leitmotiv de tous les jours. Tous les matins, quand je me lève, je me dis bonjour. Je remercie l'univers d'être là et je me dis toujours que la vie est belle et qu'il faut profiter de chaque moment, pas remettre à demain. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire que je suis parfaite et que je fais toujours tout de suite ce que j'ai dit, mais j'essaye de faire le mieux possible. Voilà, donc je voulais vous présenter ce monsieur. Vous pourrez aller voir, donc je vais vous mettre tous les liens. Et je trouve qu'il faudrait qu'il y ait plus de photographes comme ça qui aiment les femmes et qui aiment les femmes de plus de 50 ans et qui aiment les sublimer. Moi, je dis merci Ben, merci du fond du cœur de nous honorer. Moi, je n'ai pas été photographiée encore par lui, hein, mais j'aimerais bien. Ça me tente énormément parce que j'aimerais avoir l'œil, un autre œil, l'œil d'un homme bienveillant
professionnelle et me voir voilà autrement qu'avec les selfies. Alors j'ai fait quelques petites séances de photos déjà avec une femme, avec un homme qui était sympa, mais je pense que Ben, il est vraiment très fort. Voilà, donc si vous voulez voir, vous aurez tout à la fin de ma vidéo. Vous pouvez aller sur mon blog pour lire l'article. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Et merci à Ben Winkler de nous honorer et de nous sublimer, même si il ne l'a pas fait encore sur nous. Mais ça ne saurait tarder. À bientôt!